Bonjour tout le monde, on se retrouve pour ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve dans le Puy de Dôme et on va se retrouver pour deux jours de marche avec une nuit en camping sauvage. Et c'est parti. Donc là je viens de quitter le parking, je viens de quitter 807. On va essayer de trouver une voiture pour faire du stop et arriver au début de la randonnée. Donc ça y est, je suis dans le chemin. J'ai été pris en stop assez rapidement. On commence sur la marche. On va y avoir pour plusieurs heures. Je sais pas encore combien. Et bah le chemin en fait il est pourri. Donc je pense pas que ce soit le bon chemin. Mais bon, pour l'instant on est là. On est bientôt arrivé je pense. Donc un peu de courage. Je transpire énormément. On est bientôt arrivé en haut. Donc là ça y est, on est arrivé en haut du grand circuit. Il y a personne. Donc c'est super cool. Mais en tout cas j'ai super chaud. Je pense que ça se voit sur mon visage. Mais ça en vaut le coup. Donc là en haut il y a des myrtilles sauvages qui sont super bonnes. Il y en a plein partout. Tous les petits buissons comme ça, verts un peu, c'en est. Et là, elles sont mûres. Et franchement, ça fait plaisir. L'objectif demain, c'est d'arriver là-bas, au puits de Dôme, en passant par le puits Pariou. Bref, faire une pause, moi. Ouh. Donc là je vais redescendre du grand circuit, ça va mieux, j'ai fait une pause en haut, j'ai bu, je me suis hydraté. Et donc là je vais redescendre pour ensuite monter au niveau du Puy Pariou, donc beaucoup plus connu que celui-là. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. Mais là le chemin est un peu encombré. Donc derrière moi il y a la grotte de Sarcouy, qui est vraiment sympa, qui est vraiment grande. Et donc plutôt cool. Et en plus il n'y a personne. J'ai pas croisé de monde depuis que je suis parti encore. Donc je pense que c'est vraiment un endroit qui est abandonné un peu des visiteurs. Je suis dégoûté parce que pour monter, j'ai pas du tout pris de bon chemin. Parce que comme vous pouvez le voir là, bah c'est une autoroute. Donc là, il faut que je monte, je fasse l'ascension du Puy Pariou. Il y a 170 mètres de dénivelé positif. Donc ça va. Et donc bah c'est parti. On s'approche du sommet petit à petit, mais sûrement. Moi je suis enfin arrivé, donc là derrière vous pouvez voir le Puy de Dôme. C'est un peu fatigant, mais je suis content d'être arrivé là. Et je pense qu'après ce soir je vais aller dormir ici, comme ça demain matin j'aurai juste à faire ça pour monter tout en haut au Puy de Dôme. Dernière montée de la journée. Ça y est, je suis arrivé à peu près où je voulais dormir ce soir. J'ai pas encore choisi où j'allais planter la tente. Mais là, je suis vraiment bien. La dernière montée, elle m'a clairement tué. Là, faut que je mange. J'ai trouvé l'endroit, je vais dormir. Je vais manger là en tout cas, sur la branche d'herbe, ça me fait un petit banc. Peut-être poser ma tente ici. En tout cas, le cadre est magnifique. Donc là, ce soir, c'est nouilles instantanées, des petites nouilles. Donc on va préparer. Et franchement, la vue est incroyable. Donc c'est top.
ça y est, je viens de m'installer avec ma tente. Il reste encore quelques lueurs dans le ciel, mais là je vais pas tarder à aller me coucher. C'est une grosse journée, beaucoup de marches, beaucoup de dénivelé. Surtout que je suis pas habitué encore à marcher avec un sac de 22 kg, donc ça tire sur les jambes. Ça fait vraiment du bien d'être allongé. C'est bien passé, j'ai bien dormi, ça m'a permis de bien me reposer. Donc là, je vais déjeuner tranquillement, après ranger la tente, mes affaires, et repartir pour monter le Puy de Dôme, une bonne fois pour toutes. Voilà ce que j'ai ce matin, des petites noix de cajou, une pomme pote, une barre, et ça, ça va vraiment me faire du bien, un fruit de shoot. Bon alors, là, j'ai fini de ranger ma tente, donc tout est rangé là. Il y a une règle d'or en camping sauvage, c'est que faut laisser aucune trace et laisser aussi propre que quand on est arrivé. Donc là, ça va faire 10-20 minutes que je marche dans la plaine, donc c'est super agréable. Et là, je me rapproche du début de l'ascension, donc ça a commencé à se compliquer. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a personne, à part le berger que j'ai aperçu au loin, il n'y a personne à cette heure-là. En tout cas, la chaleur commence à arriver, il faut que je me dépêche, sinon je vais pas réussir à monter. Je suis dans l'ascension là, ça monte beaucoup. Il est à peine 9h du matin et je transpire vraiment beaucoup. Moi, je suis monté hors sentier pour arriver jusqu'au nid de poule, ils appellent ça. Et clairement, ça devient dur physiquement et mentalement. Donc là, je suis pressé d'arriver et que ce soit fini. Et là, je vais essayer de rejoindre le sentier parce que ça doit être plus simple par le sentier. Je sais pas combien de mètres de dénivelé il me reste à faire, mais là, on attaque la dernière étape. Donc là, je pense que je suis à la moitié de l'ascension du Puy de Dôme. Je fais ma première pause depuis ce matin. Ça fait du bien, je m'hydrate parce qu'il commence vraiment à faire chaud. Bon allez, là, j'ai fait 10 minutes de pause à peu près, peut-être un peu plus, je sais pas. Et j'attaque l'ascension une bonne fois pour toutes. Pressé d'être arrivé là. Ça y est, je suis arrivé tout en haut. Enfin, là, je vais aller faire le tour. Mais ça fait plaisir d'être arrivé. Donc là, ça y est, j'ai fini le Puy de Dôme. Il y a de plus en plus de monde qui arrive, vu qu'il est peut-être 10h, 11h, je sais pas trop. Du coup, moi, je m'en vais. On se retrouve à la voiture. Je sais pas trop encore comment je vais y aller. Je pense que je vais faire du stop. Ça y est, je suis arrivé à la voiture. J'ai été pris en stop deux fois rapidement pour venir jusqu'ici. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un like, t'abonner. Bref, à la prochaine aventure. Salut à tous, du coup c'est... Ah, il faut pas que j'oublie la caméra. Là, faut que je mange des petites nouilles. On s'approche
du sommet petit à petit, mais sûrement. Puis voilà. Merde, mais dis pas que j'ai pas fini. Il fait chaud. Quelle idée de merde de faire de la vidéo, putain.